Y'a quelqu'un qui me tire des flèches encore, je crois. Bon, ça se présente bien. Ça se présente bien, pourquoi ça se présente bien? Je sais pas pourquoi ça se présente bien, je vois pas trop ce qu'il y a à faire. Ça tourne pas. Ah. Ils sont trop nombreux. Qui me tire des flèches ? C'est bon ? Non, non, on a Lara, Lara. Ah mais non, non, c'est comme ça en fait. Non, bon, j'ai rien. Parce que la roue elle est à droite. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs à côté de moi. Hey. Oh. Ils sont pas entrés. Eh bien. Elle s'est fait une amie, Lara. Ces silhouettes,
On dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yashil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là! C'est forcément là! Une éclipse et un héron, comme les tatouages de Noratu. Mais où est la boîte? Surprise! Pas de boîte. Non! Une secousse! Ah, elle a même des cicatrices. Oh, elle a même des cicatrices sur la vie. Oh non, pas ça! Oh putain! Mais sors tes armes! C'est les mecs qui sont en train de se suicider ou quoi? Jonah! T'es où, Jonah? Les enfers. Navide. Et c'est là qu'on se fait attraper par des piranhas et on crève. Ah, on est de retour à la cité perdue. Ça y est, j'ai réussi. Ouais, enfin. On sort les mains vides, quoi. Comment je suis content d'avoir ces champignons là. Mon dieu, qu'est-ce que ça aide? Il nous faut un feu de camp là parce que ça va faire je sais pas combien de temps on n'a pas sauvegardé. Mégalodon. Oh. Oh la connasse. Oh putain.
Allez, maintenant pas de conneries, Lara. Ok, ok, bien, 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 bien. Maintenant tu fais pareil. Putain, j'ai tellement peur. Voilà! C'était pas dur, hein? Attends, il y a un passage là. C'était pas dur. T'es bloqué ou quoi? Passe! Je peux m'en servir pour grimper hors d'ici. Ah, nouveau matos! Ah! Bah, qu'est-ce que tu peux faire en plus? Parce que je vois pas trop ce que tu peux faire en plus. Escalade de suspension, matériel. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, elle veut que je passe par là, je crois. Si je tombe, je vais me péter, je vais péter un câble. Sauter à pied sur X pour attacher aux parois. Est-ce que c'est possible ça? Après je vais aller sur Google. Je vais aller voir des vidéos d'alpinistes. Faut que je vérifie. Non, ah non! Mais. Non! Mais là, c'est peut-être un peu exagéré, non? C'est pas Spider-Man, là, la fille! Je fais comment maintenant? On peut faire ça. C'est fou. Ah, on y est. Oui. Non, oui. Impossible. Je peux plus rien transporter. Oui, quoi? Là, tu me fous les boules, toi. Je sais pas par où passer. On descend? On descend la paroi? Ah là, 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 là. Oh, c'est reparti. C'est tellement approximatif en plus. Ça.
La crise cardiaque, quoi. Mais t'es trop loin! Mais approche-toi un peu! Oh, et puis merde. N'importe quoi. Et là, on fait quoi? On descend? Je comprends rien. Ah là, on monte. C'est incroyable. Sauter, j'ai pas le choix. Sauter, j'ai pas le choix. Alors la dernière fois ça avait pas marché. Alors je sais pas pourquoi. Normalement je saute sur la gauche. C'est trop loin hein, donc on utilise le grappin. Et puis voilà quoi. Là ça marche. Ça marche. J'avais sûrement fait le grappin trop tôt, apparemment. J'avais dû faire le grappin trop tôt. Genre le jeu n'a pas aimé la seconde près quoi. Ah là 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 là. Mettez-moi un feu de camp, bordel. Vous savez combien j'ai de points en plus? Je vais en avoir 3 ou 4. J'aurais dû me buffer pour la respiration. Ouais. Maintenant c'est trop tard. Ok, on va revenir, on va reprendre son souffle. Parce que là il va falloir éviter des bestioles et tout. Y'a pas un bout de terre? On a tout le temps du monde, il faut apprendre à prendre son temps, à se cacher, éviter les bestioles. Je sais même pas où on va. Gauche. Oh putain, il y a des piranhas. C'est bon, ils m'ont pas vu. Par là, je suppose. Oh putain, mais c'est toujours du déjà vu là. Arrête de passer dans des endroits comme ça là. Ça rend fou. Yeah. On est là. C'était quand même bien galère là. Ça y est, elle recache ses armes.
Feu de camp bien mérité. Je ne sais pas ce qui me poursuivait, mais ça n'a pas d'importance. 4. Qui a bien pu laisser ces gravures de Héron et d'Éclipse ? Il va falloir que j'en parle à Unuratu. Maintenant, on va pouvoir voir les ennemis. Ça va nous aider. Très déçu du fusil à pompe quand même. Hein. On l'a augmenté au maximum. Tout ça pour... Je sais pas pourquoi il est aussi pourrave. La puce dégâts, c'est quasiment au maximum. Celui-là, il n'irait même pas jusqu'au maximum. Peut-être qu'il a plus de portée, donc c'est plus intéressant. J'en sais rien. Ça a aucun sens. Bref. Voilà, on va parler à madame. Unuratu, je sais pas quoi. Ah, peut-être qu'on va passer au marchand vite fait. Ah oui, il faut ouvrir le coffre aussi. On va faire ça. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Non. Calme. Calme ta vache. Il y a plus hein, les lags. Hein. Ça a été corrigé. Hein. Comme j'avais dit, j'avais dit, ça va être corrigé à la sortie du jeu. Pas avant, parce que sinon, hein, sinon ça serait pas drôle. Sortie du jeu, corrigé. Voilà, patch. Il n'y a plus de lag. Enfin, je viens de commencer depuis très peu, donc on va attendre, mais normalement, on aurait déjà eu des lags, là. Genre des freezes. Attends. Marcher à gauche. Coffre, il est plus loin. Ça, c'est Kichopal. Splendide. Ah. Hello. Bienvenue. Hello. Tu viens de dire hello? T'es sérieuse? Petite pochette augmente la capacité de transport des ressources naturelles. Peut-être. Les dieux nous sourient à tous les deux. Parfait. Ouais, enfin, surtout à moi, j'ai de l'argent. On va prendre la sacoche augmentée. Les dieux nous sourient à tous les deux. Et on va prendre... Parfait. De la... Les dieux nous sourient à tous les deux. 35. Le soin. 35 sur 36. Bon, j'aurais peut-être pas dû en prendre autant, en fait. C'est pas... Ah, très bien. Elle a peut-être un peu trop pris. Mais au moins, on a une réserve de soin. Alors, c'est par là-bas, le coffre. Bois aussi, on peut en prendre plus. La sacoche a pas tout augmenté, j'ai l'impression. Ah non, si, ça a tout augmenté. Merde. 36, ça a l'air d'être le maximum. Le bois, je sais pas, mais ouais, tout a augmenté. Il est où le coffre? Ouais, le fou. Le coffre à trésor. Oui, je m'en fous, vas-y. Dix. Ces formes ressemblent à des aéronefs. Comment pourraient-elles être d'origine inca? Ah, je vois. On dirait des insectes. L'archéologie est une science complexe. Vous devez vous projeter dans l'esprit de gens et de peuples disparus depuis des siècles.
Non, on sait comment ça. Je sais pas trop. Je reconnais vaguement le dialecte, mais ça colle pas. Machenta. Au-dessus. Ouais, ça m'aurait étonné aussi que ce soit là. Pour le toit. Bon, c'est pas grave, c'est juste des petits trucs, c'est pas grave, on s'en fout. Là il y a un document, là il y a de l'or récupéré. On va faire l'histoire, on va se concentrer sur l'histoire. Ah, c'est ça, moi. On peut pas monter. Machenta. Pourquoi tu t'arrêtes? Ouais, c'est parce que le mec il dort. D'accord. Depuis quand tu respectes qui que ce soit, Lara? Depuis quand tu respectes qui que ce soit? On va passer par le feu de camp et on va à la femme. Si j'arrive à trouver un passage. Voilà. Là-bas. Oh oh. Je dévalise votre pays et tout ce que vous avez de précieux. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ça devrait vous être très... Vous avez fait un très bon choix, mon ami. Je suis en train de te vendre des choses. Hâte de faire comme si je t'en achetais. Que les dieux vous sourient et vous protègent. Konara, si tu m'entends... Je suis là. On n'est pas chez Unuratu. On est dans une grotte pas loin. Il y a un héron et une éclipse à l'entrée. Ok, j'arrive. Un héron et une éclipse à l'entrée. Au revoir. Tout est plein. Donneur de mission découvert qui... Il y a quelqu'un qui devrait avoir un symbole au-dessus de la tête. Non? Non, impossible. Je peux plus rien transporter. C'est un sasen. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. C'est bizarre. Waima. Non, c'est pas elle. Les gamins sont tous fous ou quoi? Ah.
Mais qui donne des quêtes? Super étrange. J'ai pas assez de place pour ça. Quoi? Il y a une grotte, un truc que j'ai pas vu, c'est pas normal. Ah, c'est là. Non, on va faire mission. Je trouve pas le mec, j'arrive pas à trouver le mec qui donne la quête secondaire. C'est bizarre. On l'avait déjà vu cette grotte, mais elle était barricadée. Il pourrait peut-être nous couvrir. Tu l'as ? C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Onuratu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Elle se trouve dans la prison près du vieux temple. Akane y est allé. Mais ils l'ont eu aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimpais ici, je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Edsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforts seront là quand tu l'auras retrouvé. Parfait. Puissance et sécurité. Merci beaucoup. Arrête, on va porter Lara. Ça. Je vais la retrouver. Je sais. Ah ouais. Tu n'es que renforcé et coiffe portée par Ivan d'élite. Ok. Waouh. Ah, on a même... Ouais, même la tenue, à l'as. Pourquoi on porte ça ?